Comme l'organisme humain, les plantes de riz ont elles aussi besoin d'éléments nutritifs pour rester en pleine forme. Elles ont besoin d'un sol riche, capable de leur fournir des nutriments. Pour obtenir une culture en pleine forme, les plants de riz ont besoin d'air, de lumière, d'eau et d'un sol sain. Les sols qui ont une bonne structure, beaucoup d'organismes vivants et de matière organique ont généralement beaucoup de réserves de nutriments. Ils retiennent mieux l'eau et évitent que les nutriments ne soient emportés loin des racines de votre culture. Les plantes de riz pousseront bien dans ces conditions. Mais tous les sols n'ont pas le même état de santé. Et même un sol fertile peut devenir moins sain si on ne lui accorde pas les soins appropriés. Les sols fournissent les nutriments aux plantes de riz. Lorsqu'on récolte le riz, les nutriments contenus dans les tiges et dans les panicules sont enlevés du champ. Et le sol, par conséquent, perd des nutriments. Dans cette vidéo, nous allons voir comment maintenir notre sol en bonne santé pour produire des plantes en pleine forme d'année en année. Pour cela, il nous faut connaître les nutriments, la structure du sol et la matière organique. Mais avant cela, voyons d'abord le développement de la plante de riz pour mieux comprendre à quel moment on apporte tel ou tel nutriment aux plantes de riz. Nous pouvons comparer le développement de la plante de riz avec la construction d'un grenier. Les plantes de riz traversent d'abord une phase végétative en produisant des feuilles et des tales. Cette période de croissance horizontale ressemble à la construction de la fondation du grenier. Ensuite, pendant la croissance verticale, les plantes de riz produisent les panicules et commencent à fleurir. Nous pouvons comparer cette phase à la construction des murs et du toit du grenier. Après la floraison et jusqu'à la maturité, les plantes de riz remplissent leurs grains. C'est comme si on était en train de remplir le grenier. Il faut des nutriments pendant tous ces stades pour faire la fondation, construire les murs, le toit et remplir le grenier. Quels sont donc ces nutriments? L'azote, le phosphore et le potassium sont les plus importants nutriments de la plante de riz. Ils sont présents dans le sol, dans les matières organiques, les engrais minéraux et même en petite quantité dans l'eau d'irrigation. Voyons maintenant ce que chacun de ces nutriments fait à notre culture de riz. L'azote est de loin le nutriment le plus important. Il donne aux tiges et aux feuilles une couleur verte saine et stimule la plante de riz tout au long de sa croissance. Il est important que la plante de riz absorbe suffisamment d'azote pour produire des tales, mais aussi pour produire des panicules et pour remplir les grains. Le phosphore aide les racines à se développer. Si un engrais phosphaté est appliqué, il est mieux incorporé dans le sol au moment du labour ou de la mise en boue. Le potassium aide les plantes à mieux résister à la sécheresse, aux ravageurs et aux maladies. Il permet aussi de prévenir l'averse et favorise le remplissage des grains. Écoutons à présent comment un agent de vulgarisation de l'Office du Niger au Mali définit ses principaux nutriments. Le N, qui est l'azote, favorise l'abondance des feuilles de la plante. Ça appuie et ça donne de l'aide aussi à la plante dans la transformation chlorophyllienne. Et ensuite, le P, qui est le phosphore, lui, il donne la puissance aux racines. Ça provoque un développement racinaire assez important à la plante. Et
le K maintenant, le potassium, lui, ça régularise la fonction chlorophyllienne aussi de la plante. Et ça donne un état satisfaisant en fruits et en santé de la plante. Donc voilà les trois éléments qui sont dans les engrais des fonds. Les nutriments peuvent être ajoutés à travers les matières organiques et les engrais minéraux. Cependant, il est important de comprendre que la fumure organique et les engrais minéraux ne peuvent pas être mis l'un à la place de l'autre. En effet, ils remplissent des fonctions différentes. Le rôle de la fumure organique est de renouveler les réserves de matière organique dans le sol. Cela est important pour la vie du sol, pour protéger le sol de l'érosion et améliorer la rétention de l'eau et des nutriments. Un sol qui contient beaucoup de vers de terre et autres créatures est riche en matière organique et en nutriments. Cependant, la plupart des fumures organiques sont pauvres en nutriments. Les engrais minéraux, par contre, ont une importante quantité de nutriments et constituent donc une source directe de nutriments pour les plantes. Les engrais minéraux contiennent l'un ou l'autre de ces nutriments ou une combinaison des éléments. Les sacs d'engrais indiquent les nutriments et les quantités qu'ils contiennent. Les engrais blancs, tels que l'urée, ne contiennent que de l'azote. Les engrais colorés contiennent un mélange d'éléments où N représente l'azote, P le phosphore et K le potassium. Mais il faut faire attention. Tous les engrais blancs ou tous les engrais colorés ne contiennent pas les mêmes quantités de nutriments. Les chiffres sur le sac indiquent le pourcentage de chaque nutriment. Plus le chiffre est élevé, plus la quantité du nutriment qu'il contient est élevée. Le calcul du taux optimal d'engrais pour un champ de riz n'est pas facile et dépend de beaucoup de facteurs. Il dépend surtout de la fertilité de votre sol, en d'autres termes, de l'importance des réserves de votre sol en N, P et K. Dans la plupart des cas, pour le riz de bas-fond, il n'y aura pas suffisamment de N pour une bonne croissance du riz. Mais il y aura suffisamment de P et de K. L'urée contient beaucoup plus d'azote que les engrais NPK et coûte généralement moins cher. De façon générale, vous gagnerez donc à appliquer plus d'urée que d'engrais NPK en riziculture de bas-fond. Pour le riz de plateau, l'azote et le phosphore sont généralement importants. Voyons à présent la solubilité des différents engrais. Dans la bouteille de gauche, mettons de l'urée. Comme vous le voyez, il se dissout rapidement dans l'eau. Dans la bouteille de droite, nous mettons du NPK. Cet engrais se dissout difficilement. Qu'est-ce que cela veut dire? Le phosphore et le potassium se dissolvent très peu et sont mieux appliqués comme engrais de fond au moment du labour ou de la mise en boue. Ils sont retenus dans le sol et sont consommés petit à petit par la plante de riz. Cependant, l'urée se dissout facilement et l'azote va descendre rapidement au fond du sol pour ne plus être à la portée des plantes. Il vaut mieux appliquer l'urée sur un sol humide et non dans l'eau d'inondation. De même, une forte pluie peut l'entraîner au fond du sol, loin des racines. Le paysan sur cette photo qui applique l'urée sous la pluie verra la plupart de son argent balayé par les eaux. Puisque l'urée est hautement soluble, il ne faut l'appliquer que lorsque les plantes ont le plus besoin d'azote. Si vous appliquez de grandes quantités d'urée à la fois, la plante de riz ne pourra pas le consommer en totalité. Autrement dit, vous perdrez la majeure partie de l'engrais. Pour stimuler le tallage, appliquez l'urée pour la première fois au début du tallage. C'est-à-dire 2 semaines après le semis ou 1 semaine après le repiquage. Appliquez l'urée une seconde fois lorsque les plantes de riz commencent à produire les panicules.
Ce moment est différent selon la variété et la date de semis. La bonne période d'application nécessite de l'expérience. Si les tiges sont pleines et portent des panicules, il est déjà trop tard. L'application aurait dû se faire 2 semaines plus tôt. Si tu parviens à surveiller correctement ton riz et à lui donner tous les aliments dont il a besoin, il va bien se développer, produire plus et remplir ton grenier. Au moment où les panicules commencent à se former, de nouvelles feuilles apparaissent au-dessus de la voûte du riz. Dès que nous le constatons sur la plaine, nous savons automatiquement que le riz a commencé à développer des panicules. En plus, il y a le changement de couleur des feuilles, même si le riz était bien vert auparavant. Dans de bonnes conditions de gestion et si on vise des rendements très élevés, l'urée peut être appliquée une troisième fois au début de la floraison pour stimuler le remplissage des grains et aider à remplir votre grenier. Les plantes de riz bénéficient de l'azote pendant toutes les 3 étapes du développement. Pour faire la fondation, construire les murs, le toit et remplir le grenier. Maintenant que nous connaissons tout des nutriments, voyons de plus près la structure du sol. Puisque différents types de sols retiennent différemment les nutriments, cela affectera la manière dont vous devez gérer la fertilité de votre sol. Nous pouvons démontrer cela avec une petite expérimentation. La bouteille de gauche contient du sable, tandis que celle de droite contient de l'argile. Lorsque nous appliquons de l'eau contenant du NPK, vous voyez que les nutriments passent entièrement à travers le sable, mais plus difficilement à travers l'argile. Plus le sol contient de l'argile, plus il retient les nutriments. La bonne période d'application des engrais est très importante pour les sols sableux. L'ajout de l'engrais minéral n'a un effet limité que si votre sol ne contient pas de matière organique, parce que beaucoup de nutriments ne seront pas retenus. La fumure organique, telle que le fumier, et les matériaux végétaux compostés apportent des matières organiques. Elle aide le sol à retenir l'humidité et lui donne une bonne structure. Et ce qui est plus important, les matières organiques évitent le lessivage des nutriments. Appliquer des engrais minéraux dans des champs qui ne sont pas bien gérés est inutile. Il est important de désherber avant d'appliquer les engrais minéraux. Une bonne gestion des cultures et le choix de la bonne période de désherbage et d'application d'engrais permettront d'économiser de l'argent, car la plante de riz recouvrera plus de nutriments et vous aurez de meilleurs rendements. Les déjections d'animaux et les herbes peuvent être enfouies dans le sol pour améliorer la teneur en matière organique. Pour utiliser moins de main-d'œuvre, certains paysans entassent les herbes coupées en petits tas dans le champ et les couvre avec de la terre pour les composter. La fumure organique enrichit beaucoup le sol et, Dieu merci, les différences sont perceptibles. Le tas que vous apercevez ici est recouvert de terre. Avant l'hivernage prochain, il va se décomposer et donner une fumure de qualité. Cette fumure favorise le bon développement des plants partout où elle est appliquée. Ces zones produisent très bien. Certains paysans cultivent des légumes à grains tels que le niébé et le soja. Les boutons de leurs racines fixent l'azote de l'air gratuitement. Les variétés qui produisent des graines et beaucoup de feuilles peuvent être utilisées pour améliorer la fertilité du sol. Lorsque ces feuilles et ces tiges sont incorporées dans le sol, cela fournira des nutriments pour la prochaine culture de riz. Après la culture de l'arachide et de l'haricot, j'ai constaté que les racines de l'haricot et de l'arachide portent des boutons. Après la culture, on arrache l'haricot
et on enlève la racine. Bon, les feuilles qui restent sur le sol et les racines qui restent sous le sol bon, forment de l'engrais. Les racines de l'haricot qui restent sous le sol, ça dure plus que l'engrais. Bon, ça peut faire 2 ou 3 ans comme ça sur le sol. Or, l'engrais, c'est chaque année il faut en mettre. Vous avez vu ça? Voilà, c'est chaque année il faut en payer. Chaque année, il faut en payer. Or, par rapport aux feuilles de l'arachide et du nibé, bon, si, au moins si le sol est enrichi de ça, bon, ça peut faire 3 à 4 ans comme ça, tu es en train de s'aimer sans l'engrais. Des recommandations générales sur la gestion de la fertilité du sol ne sont pas nécessaires, puisque les sols, les matières organiques et la disponibilité des engrais minéraux diffèrent d'un endroit à l'autre. Comparez vos champs avec ceux d'autres paysans. Vous pouvez tracer une carte de fertilité du sol villageois et tester différentes quantités de matières organiques et d'engrais minéraux pour comparer les résultats. En discutant, en analysant la situation et en testant différentes options avec vos voisins, vous serez en mesure de trouver ce qui marche le mieux pour vous. Qu'avons-nous appris? L'azote, le phosphore et le potassium sont les principaux nutriments du riz. Les engrais minéraux sont la source la plus directe des nutriments. Les engrais qui contiennent du phosphore et du potassium doivent être appliqués avant le semis, comme application de fond, pendant la préparation du sol. L'urée ne contient que de l'azote et se dissout facilement. C'est pour cela qu'il faut appliquer l'urée de manière fractionnée lorsque la demande de la plante est au maximum, en particulier au début du tallage et au stade de l'initiation paniculaire. Une bonne gestion des cultures et un bon choix de la période de désherbage et d'application des engrais sont essentiels. Cela permettra aux plantes de riz de recouvrer la plupart des nutriments appliqués. Lorsque vous appliquez des engrais minéraux sur du riz cultivé en conditions de bas-fond, donnez la priorité à l'urée. En ajoutant de la fumure organique, vous améliorez la teneur en matière organique du sol et réduisez la perte de nutriments. Appliquer des engrais minéraux est inutile si votre sol est pauvre en matière organique. Certains légumes fixent l'azote et cela peut profiter à la culture suivante de riz si suffisamment de biomasse de légumes est incorporée dans le sol. Retenez donc qu'une bonne gestion de la fertilité du sol donne une culture saine. Thank you.